Notamment dans la peinture chinoise, le mouvement du pinceau traduit le mouvement du cœur. Mais cette trace reste vivante, animée. Over 60 paintings by Benoît Vermander are now being exhibited at Fudan University. For the past decades, the French philosopher has been trying to capture the process of how things are constantly changing. Il y a un recueil du poète français Victor Segalen qui s'appelle Stèles. Et donc il parle de la Chine comme un espace qui est ponctué par des stèles. Mais pour moi, ces peintures sont plutôt comme les vagues de la mer. Elles participent au mouvement, si vous voulez, de la mer, du désert ou de l'existence. Donc c'est une façon de dire mes peintures ne sont pas là pour durer toujours, pour être là comme des points fixes, mais plutôt pour participer au mouvement incessant de l'existence. Heavily influenced by French artists Paul Cézanne and Henri Matisse, Vermander's painting incorporates elements of Chinese ink painting. Although he has been living in Shanghai for the past 15 years, he first came to China in 1987. He then started dabbling in Chinese painting techniques when conducting field studies in Taiwan and Sichuan in the 1990s. Eh bien, je pense que mes peintures sont totalement immergées dans la relation entre l'art chinois, la tradition de l'art chinois et la tradition de l'art notamment français. Parce que c'est la Chine qui m'a donné le courage de peindre, parce que quand j'étais petit, je n'osais pas peindre parce que je faisais des taches, des points. Mais en Chine, quand j'ai fait la calligraphie, on m'a dit les taches sont belles. 他自己画了一个画，选的是中国水墨的方式，所以说他对中国文化很喜爱，包括山水里边的元素和内容，但是也看到了他自己像西方的一些元素，很有设计感，像之前那边的鸟，包括一些黑白的大象，那种意象。